Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 semble vouloir poursuivre sur une tendance haussière en ce début de semaine, portée toujours par les espoirs d'avancer en matière de vaccins, mais surtout par les places de marché asiatiques. Celles-ci clôturaient toutes dans le vert ce matin, le Nikkei gagnant plus de 2%, le CSI 300 qui rassemble les plus grosses capitalisations des places de marché de Shanghai et de Shenzhen progressait de lui de près de 1%, tandis que la Bourse de Hong Kong s'approche elle aussi des 1% en clôture. Une tendance dictée tout d'abord par des chiffres en cours. En Chine, la production industrielle en octobre gagne près de 7%, tandis que les ventes au détail, elles, s'apprécient de 4,3%. Le PIB du Japon progresse, lui, de 21,4% au troisième trimestre sur un an, un rebond plus élevé qu'attendu. Mais l'espoir des investisseurs asiatiques vient également de l'accord de libre-échange conclu ce week-end entre 15 pays d'Asie, nommé Partenariat économique régional global. Celui-ci regroupe donc 15 pays, parmi lesquels la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam ou encore la Nouvelle-Zélande, un accord qui crée la plus grande zone de libre-échange dans le monde, représentant pas moins de 30% de l'économie mondiale et 2 milliards de consommateurs. Un accord vu par beaucoup comme un moyen pour la Chine de réduire sa dépendance vis-à-vis des économies occidentales et notamment des États-Unis, dans un contexte de guerre commerciale. États-Unis qui avait d'ailleurs amorcé depuis de nombreuses années une tentative similaire dans la région au sein d'un accord transpacifique, mais duquel s'était finalement extrait Donald Trump, privilégiant des accords bilatéraux. Donald Trump qui, selon Bloomberg, envisagerait de prendre de nouvelles décisions à l'encontre de la Chine avant la fin de son mandat, décision qui pourrait venir entraver le champ d'action de Joe Biden. Donald Trump qui a par ailleurs concédé à demi-mot une victoire de Joe Biden ce week-end sur Twitter avant de se reprendre. Du côté des valeurs à présent, à la Bourse de Paris, Alstom lance une augmentation de capital de 2 milliards d'euros afin de financer le rachat de Bombardier Transport, mais aussi plusieurs informations non officielles qui circulent depuis le début de la matinée. Tout d'abord, Nissan qui pourrait, selon Bloomberg, vendre sa participation de 34% dans Mitsubishi Motors, une cession qui ne serait pas sans conséquences dans l'alliance Renault-Nissan. Du côté d'Unibail Rodamco Westfield, c'est le journal du dimanche qui estime que le président du directoire Christophe Cuvillier pourrait démissionner dans les prochains jours suite à l'élection de Léon Bressler au conseil de surveillance du groupe. Léon Bressler qui, on le rappelle, a réussi avec Xavier Niel à contrer le projet d'augmentation de capital voulu par l'actuelle direction du groupe. Et dans le secteur des télécoms, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, aurait déclaré au Financial Times qu'il est ouvert à un rapprochement avec certains de ses concurrents afin de créer un géant européen des tours mobiles. Voilà pour les valeurs. On regarde rapidement du côté des matières premières. Le pétrole s'apprécie ce matin au-dessus des 43$. L'once d'or juste en dessous des 1900$, tandis que sur le marché d'échange, l'euro-dollar se situe, lui, juste en dessous des 1,1850$ pour 1 euro.